T'as pas à me refaire ce coup-là. Allez, mets ça. Manger. Vous avez jamais vu en ville? J'y passais de temps en temps l'hiver. J'ai un frère qui vit encore là-bas. Ensemble, on guidait les prospecteurs jusqu'au mine. Depuis que la mère de la petite est morte, je m'y fais plutôt rare. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade l'hiver dernier. Je suis resté ici pour m'occuper d'elle. Surveiller la maison. Sa mère est partie en ville chercher des médicaments. Puis, une attaque, enfin un braqueur de banque. Elle est au mauvais endroit. Et vous? C'est rare de voir un shérif de votre âge encore en vie. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'être mis dans le droit chemin. Alors je suis obligé de continuer. Et Marc! Ça va aller. Qu'est-ce qui t'a pris, Franck? T'avais pourtant prévenu. C'est la fin des hors-la-loi dans ton genre. Shérif, livre-nous ton prisonnier. Ok, c'est bon. Tu vas m'aider à la sortir de là. Réfléchis bien, Franck. T'aurais pas fait assez de conneries comme ça. Je te demande, c'est d'emmener la petite loin d'ici. Ok, mais je la lâche à la prochaine ville. Allez, viens. Allez, viens, dépêche. Hé, c'est pour la petite que je fais ça. Crois pas que j'en ai fini avec toi pour autant.